أما أنا قريته معناها بديت نقرا وحدي. اي قرينا بيان سور لي ميت وكديريفابل وكل ديريفي وكل ستابيليتي السويت قريناها، أي اي السويت قريناها، البريميتيف قريناه، اي بيان سور الماتريس، اي البروبا، مهم كاو. به به بيان سور شنو ثم حاجات قريتهم وحدي، حاجات أخرين ما هو به مش مشكل. وفي الاناليز شنو هي امورك؟ انا عارف مات ليكو دي ما عندهم ان بروبليم كونسيرنون الاناليز دي ما عندهم اليرجي منها. بون هكا هكا وهكا كل مرة كيفاه، ماني ستاب معناها ماني شتاوا دي تستخدم دي سوجي نتاع باك هكا دي بروبليم لا دي بدي بروبليم انا دي زيكسيس قريت، انت وي انا نخدم كان بريسك باكيت معناها ما نخدمش دي زيكسيس ديما باكيت. Ben, 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 très bien. Ben, donc, on va commencer par un petit récap à la fonction log, ln, logarithme népérien, juste les résultats les plus importants. Le fichier PDF, comme un résumé de cours, fait log ou l'exponentielle, d'accord? On va de l'exercice, il m'a dit tout, comme on a dit, est-ce que Amal Tali Tala l'exercice ou elle est? Femte? عملت عليه تطلع عملت جربتوش يخدمتوش باه ليكسيرسيس الاول انا خدمته، اما الشطر الثاني معناها عندي برشا ما خدمتش هكاك، معناش تجيني مواضيع وكل فهمت البارتي الاولى معناها خدمت الفوقانيه والبارتي الثانيه لا. مش مشكلة on va discuter ensemble مع بعضنا باهي بكوردو باهي دونك on va commencer par الو وي تسمع فيا؟ اه يوسف وي يوسف اي نسمع فيك نسمع فيك نسمع ده. فيك نسمع فيك رحمة رجعت معنا وي رحمة رجعت معنا ده مش مشكلة on va commencer donc une seconde je vais voilà ده قاعد قدامكم ال في ال ال الشيء اللي فيه الريزومي دو كور غادي نشوف فيه على الاكران وي فوالا فونكسيون لوغاريتم امبيريان دونك جو في ايسي دتر بريف اي رابيد في الكود في الريزومي دونك الفونكسيون لوغاريتم امبيريان لابريفياسيون ال ان دونك ال ان دو اكس سي كوا هي لا بريميتيف دو ان سور اكس سور لانترفال 0 بلس انفيني. معناها شنو هي لا بريميتيف؟ كي نقول لا بريميتيف دو لا فونكسيون اف دو اكس ايكال 1 سور اكس. D'accord? Voilà, la primitive, les axes dérivés. La primitive, quand est-ce qu'elle existe? Quand est-ce qu'une fonction admet une primitive? Une fonction admet une primitive, ils aiment aller, Norud de Belk. Une fonction admet une primitive lorsqu'elle est continue, à Kao. Non, f admet une primitive, on a sur un intervalle. Manjishon ou r étoile, mathalan. Donc, par exemple, 1 sur x, qui est en tant que fonction, f de x égale 1 sur x, elle est continue sur r étoile, sur r privé de 0. Mais maintenant, j'ai une primitive à la r étoile. R étoile à la khatr, deux intervalles. R étoile, c'est moins l'infini 0, ou 0 plus l'infini. D'accord? Donc, f de x admet une primitive sur l'intervalle 0 plus l'infini. Autrement dit, la fonction log de x, ln de x, elle est définie à la 0 plus l'infini. L'ensemble de définition t, c'est 0 plus l'infini. D'accord? Oui. La dérivée de log de x est 1 sur x. La primitive, c'est l'opérateur axe dérivé, l'opérateur primitif, si vous voulez. D'accord? On la note ln de x, ou la sa'ataqa dans des bouquins, surtout les anciens, taqa log, log avec un l majuscule. Rodbel comme l minuscule. L minuscule, c'est autre chose. D'accord? C'est le logarithme décimal. D'accord? Donc, yem taqa ln, ln, l majuscule ou l minuscule, ou l la log de x avec un l majuscule. C'est toujours le logarithme népérien. D'accord? Donc, on appelle f de x égale ln de x. Donc, qu'est-ce qu'on a comme résultat intéressant qu'il faut apprendre? Ce sont des résultats du cours qu'il faut qu'on a le droit de l'utiliser directement. Sans démonstration, sans rien. Il faut les admettre tels qu'ils sont. D'accord? Donc, l'ensemble de définition de ln de x, c'est l'ouvert 0 plus l'infini. Il y a ln de quelque chose.
elle n'est définie que lorsque ce quelque chose est strictement positif. Fahamna? Fahamtouni chnou qsedou ala la? Oui, واضح. Ana ki tahki ala ln de x, x strictement positif. Ki nahki ala ln de x plus 1 par exemple. Il faut que x plus 1 soit positif. D'accord? Fahmini lhana ou la? Oui. Ben, une seconde. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez un tableau blanc, Tao? D'accord? Tu vois le tableau blanc? Oui. Ben, Orzor, quand on parle de ln, bon, la galbe, ça ne va pas, ou bessouri, ou les atas. Donc, ln de n'importe quoi. Hein? Existe, Wartesh. Existe. Quand est-ce que ça existe? Si le quelque chose qui est à l'intérieur du log, un hatitward, bon, pour dire que c'est n'importe quoi, ça doit être comment? Strictement positif. C'est clair? C'est la condition nécessaire et suffisante pour l'existence d'une fonction définie par un log. D'accord? Donc, quel log de x, il faut que x strictement positif. Quel log de x plus 1, il faut que x plus 1 soit strictement positif. Il a écrit x. C'est clair? Vous êtes féminine? Oui. Vous avez fait la question? Au fur et à mesure, tu as fait les exercices, nous avons fait un peu plus de la question. D'accord? D'accord? Je passe à à résumer. La fonction ln, les limites, ce sont des limites usuelles. Vous les voyez, hein? C'est-à-dire ln de x, la limite lorsque x tend vers 0 plus, elle est définie à l'ouvert 0 plus l'infini. Donc, x, x is l'intervalle 0 plus l'infini. Lorsque x s'approche de 0 par valeur supérieure, il y a la limite lorsque x tend vers 0 plus de ln de x également l'infini. Et la limite en plus l'infini égale plus l'infini. Étant donné que la fonction ln est une primitive de la fonction 1 sur x, donc elle est continue et dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini. On n'a pas de problème sur la continuité et la dérivabilité de cette fonction. Elle est définie et continue sur son ensemble de définitions. Elle est l'ouvert 0 plus l'infini. La dérivée, c'est égal à 1 sur x. Pour que x, bien sûr que puisque x est positif, donc 1 sur x est positif, donc f' est positif. Par conséquent, la fonction ln est une fonction strictement croissante, puisque sa dérivée est positive. C'est clair? Elle est croissante. Dès la limite fait le moins l'infini, fait le 0 égale moins l'infini, ou fait le plus l'infini, donc elle est croissante, mais le moins l'infini plus l'infini. D'accord? Haja, autre particularité, ln de 1, ça vaut 0. D'accord? Donc, ce n'est pas n'importe quelle primitive, c'est la primitive qui s'annule en 1. C'est oui. Donc, déjà, ln de 1 est égal à 0. Yani, si x est un réel, fait l'intervalle 0, 1, bin 0 et 1. Automatiquement, ln de x appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Donc, son signe va être négatif. Oui, dès qu'un x est supérieur à 1, ln de x appartient à 0 plus l'infini. Donc, madame fait l'intervalle 0 plus l'infini, et automatiquement, elle est positive. Et bien, le tableau de signe de la fonction ln de x. Il faut faire un tableau de variation, un tableau de signe. D'accord? Log de x est toujours croissante, ok? Mais je veux dire croissante, elle est positive. Une fonction, lorsqu'elle est croissante, est dérivée de la positive. C'est clair? Là, je me trouve une fonction croissante ou la négative. Imaginez, trajet fait plus l'infini, on a 0. Croissante, mais le moins l'infini, le 0. Comment elle va être? Quel est son signe? Je dis ma négative, quand elle a calme 0. Tu vois? Voilà, donc ma tourbouchi et la variation, mais c'est une telle fonction. Les fautes liées à Oudoubarche. Une fonction croissante, sa dérivée f' est positive. Mouchei est positive. D'accord? Ben, je passe pour les autres limites. Donc, on a la limite de f de x sur x, en plus l'infini, c'est égal à 0. Ou éveille, signification terme, c'est que la courbe de f admet une branche parabolique de direction OI. Elle est l'étude des branches infinies.
H qui est d'accrocher choix, il y a f de x sur x qui tape à 0, c'est une branche parabolique de direction OI. Lorsque f de x sur x est égal à l'infini, c'est une branche parabolique de direction OJ. Ou dès qu'on a le cas A, on a le cas l'asymptote oblique, etc. Voilà. Donc, c'est la courbe représentative de la fonction log. Vous voyez, l'intervalle 0 plus l'infini, l'axe des x. La 0 est plus l'infini. Elle passe par le point de coordonnées 1, 0. Log de 1 égale 0. D'accord ? Alors qu'à 0 et 1, la partie de la fonction elle est sous l'axe des x, ça veut dire qu'elle est négative. D'accord ? Ou sur l'intervalle 1 plus l'infini, la courbe est au-dessus pour l'axe des x, donc elle est positive. D'accord ? Donc, c'est un petit récap concernant la fonction log. Bon, les propriétés, vous avez ça donc, comme un petit résumé, donc les propriétés de calcul, c'est que log de A fois B égale log de A plus log de B, log de A puissance N, c'est égal à N fois log de A, etc. D'accord? Donc, c'était juste un petit récap à la fonction log, c'est faible. Mais, l'exercice est libre à tout. Termine. L'exercice est libre à tout. Donc, voilà. Soit f de x, la fonction définie sur un intervalle i, 0 plus l'infini, définie par f de x égale 2 facteurs de ln 1 plus ln de x, le tout sur x. Bien sûr, l'hné, c'est n'akio. 2 facteurs de 1 plus ln de x, le tout sur x. Ça, madame x, le log, ça veut dire que x doit être. Positif. Madame x, là, il y a un dénominateur, il y a un x qui est différent de 0. D'accord ? Donc, il y a un positif ou différent de 0, mais il y a l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, elle est bien définie à l'intervalle interne. Première question, résoudre dans l'intervalle i l'équation f de x égale 0. D'accord ? Laissez-le comme souhait. Qui trouve un petit a sur b égale 0. A sur b égale 0. Je connais égale 0. Un rationnel a sur b égale 0. Ça veut dire quoi? Signifie quoi? Qu'est-ce que d'un casser égale 0? Je connais mon consfer. Le b. Non, بالعكس جامي باش تقسم على صفر a égal 0 a رد بالك b différent 0 احنا ديجا وين عندنا راسيونيل ديما اول كونديسيون نحطوها الديرومينيتور هذا doit être différent de 0 فهمنا احنا كي نرجعوا للفونكسيون تاعنا شكون هي الفونكسيون تاعنا 2 فاكتور دو a بلس plus ln de x, sur x. Ln de x. Sur x. Voilà. Le taux sur x. Ben, on a un éditeur d'équation. Je vais aller. Ça ne marche pas. Et bien, on a égal 0. Donc, cela veut dire quoi? Cela signifie quoi? Je connais égal 0. 2, 1 plus ln de x. 2. Facteur de 1 plus ln de x. Ben, Rahma, qui est avec un produit égal 0, a fois b égale 0. Je connais égal 0. A. Allez, je mouche le b. A fois b. A fois b, on a égal 0. Lorsqu'on a un produit a fois b égale 0, il y a m a égale 0, il y a m b égale 0. Tu vois? Un منهم صفر. مش كيما القسمة. D'accord, mais là, on a deux facteurs de. Donc, c'est impossible. Deux mots, c'est donc, je compte sur la sphère. 1. 1 plus ln de x. Voilà, donc 1 plus ln de x égale 0. 1 plus ln de x égale 0. Quand on dit 1 plus ln de x égale 0, ça veut dire quoi? On a ln de x égale à moins 1. Ça, on a exponentielle de moins 1. Ça, on a ln de x égale. Moins 1. Ou il y a quelqu'un qui a ln de x égale moins 1. Donc, automatiquement, x était que le réciproque, x était que l'exponentielle. Voilà.
x égale exponentielle moins 1. Exponentielle moins 1, il y a 1 sur e. D'accord ? Fahemna ? Donc, ça, c'est pour la première question. D'accord ? D'accord. Juste une seconde. Je vais l'éditeur d'équation. Je vais vous dire maintenant. Vous avez un peu de temps. نحضركم الكوريكسيون تبدا حاضره معنا بوع مريقله وبيان بيان تابي باه لا اله الا الله نرجعوا للاكزرسيس تاعنا اش قال لنا من بعد ندونغا لا فالور اكزاكت دو لا سوليوشن بوي لا فالور ابروشي ا 10 موان 2 بري داكوردو سيتادير لا فالور ابروشي ا 10 موان 2 بري نحسبوها باش هذي بالكالكولاتريس داكور شكون بحذا الكالكولاتريس ولا نخرج كالكولاتريس عندي بحذا هاي به انا بدي لازمني نطلع الكالكولاتريس نتاعي فما دي تروك يتخدموا بالكالكولاتريس نكون عندنا نوريكم جد حاجات يتخدموا بالكالكولاتريس يصلحونا دونك فات لو كالكول اكسبونونسييل موانز 1 داكور دو وقولوا لي قداش سا دون كو 0,36 Voilà. قال نعمل لك لا رونديو ولا اوش قال 10 موان 2 بري ولا لا دونك 0,36 واللي بعدها 7 Mais, résoudre l'inéquation f de x inférieure à 0. Donc, comment résoudre l'équation f de x inférieure à 0 f de x. عارف مع زوم المشكلة ديما البسيط يتبلد Voilà, f de x est égal, qu'on a choisi f de x, c'est égal à 2 facteur de 1 plus ln de x, le tout sur x. Ça, comme voilà. Donc, première question, premièrement. Donc, f de x égale 0, on a cet équivalent à dire, cet équivalent à dire 2 facteur de 1 plus ln de x égale 0, c'est équivalent à dire 1 plus ln de x égale 0, équivalent à dire ln de x égale moins 1, équivalent à dire, voilà, signifie en général, les symboles, d'accord, c'est des conseillers, d'accord, hop signifie, moins 1, l'héya, ça vaut 1 sur e, 1 sur e, qui est aux environs, qu'est-ce qu'on a à peu près, qu'est-ce 0,37. Ben, ça, c'était la première question. Deuxième question. Qu'al résoudre résoudre f de x négatif, hein, inférieur à 0. Voilà.
Donc, qui on f de x négatif, cela signifie quoi? Je connais mais les étapes, chouette. Alors on va essayer de raisonner ensemble. Ah, maintenant l'expression avait inférieure à zéro, ça allait. Ben, mais quel est le signe de x? On travaille sur quel intervalle? Hein? Quel intervalle là, là, là. Zéro plus l'infini. Zéro plus l'infini. Maintenant, je n'ai zéro plus l'infini. X appartient à l'ouvert zéro plus l'infini. Imaginez X appartient à zéro plus l'infini. Quel est son signe? Plus. Elle est positive. Ça, ou elle est? Oui. Maintenant, elle est. Mais qui on dit que X est positif? On a qu'on à la X, elle est. Elle est le dénominateur. Vous voyez? A sur B est négatif. Avec B est positif. Donc, je connais négatif. L'A. L'A. Donc, il y a A sur B. Ou A fois B, Zeus kif. Le résultat est négatif. Il y a l'A ou le B, un de deux signes contraires. Fais-moi. Donc, je connais qui va être négatif. L'A. Voilà. Donc, qui m'a dit là, la quantité de facteur de 1 plus ln de x, et bien, va être négatif. Oui, bien évidemment, 2 c'est positif, ou elle est 2 positif. Oui. Donc, signifie quoi? Signifie va être 2 positif, ouais, donc, 1 plus ln de x négatif. Ça, 1 plus ln de x est négatif. Très bien. Si je vous dis que 1 plus ln de x est négatif, cela signifie quoi? Que 2 est positif. Ln de x négatif. Les hâtes. 1 plus ln de x inférieur à 0, toi, il y a une équation. Ln de x. Ln de x. Inférieur. À moins 1. À moins 1. D'accord, l'allé. Oui. Ln de x inférieur à moins 1. Ou si je vous dis que ln de x est inférieur à moins 1. Donc. X est inférieur exponentiel moins 1. Ça, est très bien. Donc, x est inférieur à exponentielle moins 1, et les rien sur eux, si vous voulez. D'accord? Ok, on colle x inférieur à e moins 1, donc s dans r, je là. Nous allons résoudre, on colle, il colle résoudre, il faut le faire s dans r. On cite le nez, mahatich, z, solution s dans r. Donc, S dans R, bien sûr, la solution, touche la valeur approchée de la solution, la valeur exacte de la solution. L'équation, donc, on a un réel, et le haut à Kadesh, 1 sur E, ou E puissance moins 1, comme vous voulez. Et bien, concernant l'équation, S dans R égale. بالنسبة للإيكواسيون تاعنا هنا. Je n'ai pas de solution. Il faut que x soit comment? Soit x inférieur à soit inférieur à 1 sur e. Soit négatif. Là, moi je suis négatif. Qui fais? Un petit peu lourd. Trois conditions à la x, je suis compositif. Par contre, l'autre négatif. Tu as les contradictoires. Mais je parle de base. Femme. Ah mais un petit peu là. Je le dis. Il faut que x soit comment? Ah, il connaît déjà. Soit x inférieur à e puissance moins 1. Ça, ou l'allé? Ben, vous n'avez pas de l'oul. Il faut que x soit. Soit comment? Appartient à 0 plus l'infini. Yani, soit. Maintenant, appartient à 0 plus l'infini. Yani, akbar ou l'infini. Positif. Yani, x, je trouve en même temps. Akbar min sfer. Hein? Ou asghar min.
exponentielle moins 1. يعني باش تكون اكبر من 0 اصغر دونك باش تكون السوليوشن تاعنا شبيها ما بين سي اونتر 0 اي اكسبونونسيال متفاهمين احسن اخزر احنا لهنا عندنا اون بروميير كونديسيون il faut que x soit positif يعني il faut que x soit supérieur à 1 supérieur à 0 هاك ولا اوكي وبالنسبة للإيكواسيون اللي نخدمو فيها لقينا اللي فوق que x soit inférieur à e puissance moins 1 يتحطهم les deux conditions مع بعض يعني x يزمها en même temps أكبر من 0 et inférieur à exponentielle moins 1 donc la solution تاعنا S dans R باش تكون l'intervalle ouvert باش تكون solution تاعنا l'intervalle ouvert شنو Ah, 0 ou exponentielle moins 1 ou 1 sur E, c'est la même chose. D'accord? Mais allez, je suis ouvert. Ouvert, ben, n'est-ce pas le 0 avec ma fiche clé. Allez, je me fiche clé. Déjà, x appartient à l'ouvert 0 plus infini. 0, ma solution, mais je fais l'ensemble de définitions. Donc, c'est ouvert, je suis là. Ben, n'est-ce pas le borne fin, il y a 1 sur E. X est strictement inférieur ou à l'inférieur ou égal. X لهنا كومون الي الي ستريكتومون قلت X لهنا ستريكتومون انفيريور اكسبونونسييل موان 1 ولا او ايغال انفيريور او ايغال سي ستريكت هاك ولا دونك ستريكتومون سا سو ترادوي بار اون بورن اوفيرت فهمت كي تقول ستريكتومون يعني اوتوماتيكمون الانترفال دوات اتر اوفيرت يعني لا فالور 1 سور 1 نابارتيان با لو سوليوشن اي كوم سا انا ريزو On a résolu la deuxième question, la résolution de l'équation f de x inférieur à 0. Ah, elle est une équation de l'année. F de x inférieur à 0. Ou la question l'Iqbal Hakent résoudre l'équation. D'accord? C'est juste pour vous faire montrer comment est-ce qu'on résout les équations et les inéquations. C'est clair? C'est bon. Ben. هاي اليسر نمشي وتوا لل للكيسيون اللي بعد اكو فور ا مزور الكوريكسيون من بعد نعطيها لكم ها الكيسيون اللي بعد سا سيتي بوتي تاي بوتي بي دوزيامون قال كالكولي لا ليميت اون بلوس لانفيني دو اف دو اكس اي لا ليميت اون زيرو بلوس دو اف دو اكس اي انتربريتي جرافيكمون لي ريزولتا فهمنا به أسيتي. مشكلة. Voilà. أسيتي. C'était أول حاجة la limite فين قلنا la limite. في plus l'infini. في plus l'infini de f de x. Ouais. Elle هي la limite. En plus l'infini de donc de facteur de 1 plus ln de x sur x. D'accord? Ok. Sur x. Donc, qu'il nous rejoint le résumé interne concernant la fonction log. On a choisi les limites usuelles les ânes. D'accord? Parmi les limites usuelles, il y en a fait plus l'infini. Ou bien la limite en plus l'infini de f de x, il vaut plus l'infini. Ou elle, on a la limite en plus l'infini de f de log de x sur x, qui vaut 0. Et donc, on a les deux limites, il y en a fait plus l'infini qui concernent la fonction log. Mais, quand j'analyse, ناخذ لوغ دو اكس مش نعرفوا احنا ليميت في البلوس لانفيني نتاع لوغ دو اكس قداش تجي سيت ايغال بلوس لانفيني بلوس لانفيني اي باه هادي بلوس لانفيني و اكس اللي تحتها بلوس لانفيني في البلوس لانفيني دونك كيس كون فافواغ منا في لي دو كار نتاعنا صحيح لانفيني سوغ لانفيني كييت اون فورم indéterminé. Donc, zouz égale plus l'infini.
تي مو مجي فورما تيرميني سوليوشن هكاك كيفاش مو مجي فورما تيرميني نعملو سوليوشن معناها تولي ما فهمتك تفسر دونك لو الفوق نثبتو بلس لانفيني بلس لحظه برك لحظه يوسف 1 بلس بلس لانفيني صافي بلس لانفيني 2 صافي بلس لانفيني دونك الفوقاني كل بلس لانفيني اللوطاني كيف كيف بلس لانفيني هذه سيت اون فورم ديتيرميني شنو هي الحل مون انه تولي انا برا نسمع رحمه الساعه قبل ويرا نعم دو سر اكس بلس الان دو اكس على اكس دو سر اكس بلس لانفيني والان دو اكس على اكس تيكال زيرو سناني رحمه بشوي بشويه طب خلنا نفهمك وتفهمني قلت لي نعملوا دو سر اكس والان دو اكس سر اكس معناها الاكسبرسيون هذيا نجم تكتبها دو سر اكس والان دو اكس سر اكس سي سا وي هذا هذا يا راي جو في فير اون تيت رمارك من بعد وي يوسف شنو هي الحل نعملوا دو سر اكس fois 1 sur x plus ln de x sur x. Ben, voilà, ok, on a la date sur l'infini 0. Slow down. قبل ما نتعداو ولا من بعد. باش نسالكم على حاجه اسونسييل. ركز معايا شوي. داكوردو؟ باهي. نسالك بالله حاجه بسيطه. ورحمه سي لا ميم شوز. A fois B. Le tout sur C. C'est égal à quoi? A sur C. Hey? Fois C sur B. A sur C, haka, fois B sur C. Fois B sur C, haka. Oui. Ben, d'accord, on fait le produit des rationnels. A sur C fois B sur C. هاو كيفاش تتحسب A fois B الفوق واللوطة C fois C بالعربي البسط في البسط والمقام في المقام انت اللوطة عندك C ولا C وكاري عندنا C واحدة ولا زوج C واحدة دونك عندك واحدة من هذوما زوج زايدين دونك A fois B sur C عندك لو شوا يا اما A sur C fois B والا A sur C plus A لا ماهيش معناش بلوس والا A fois B sur C لان دي كوفيسيون دي فاكتور A و B واحد منهم يتقسم على C مش الزوز هذا كيبدا عندك برودوي فهمنا باغ كونتخ vous faites la confusion avec ça انتوما vous faites la confusion avec A plus B Le tout sur C. Hedi, ça s'écrit comment, hein? Hedi, A sur C plus B sur X. Ah, sahit. Hedi, déjà, n'arfouha mille primaire, elle est hiyas ma tawhid al maqamit. Hakolle? C'est clair? Oui. Fahamna? Donc, klemek arja'lu Rahma, ou kif klemek arja'lu Youssef, est-ce que vous avez dit tout à l'heure? Concernant cette limite-là, est-ce que ça marche? Est-ce que le haq, toi, qui m'a dit Youssef, qui m'a dit Rahma plutôt, 2 sur x plus log de x sur x, ou à la fois log de x sur x? Hein? Bon, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit choisir. On a produit le four, on a deux facteurs de 1 plus ln de x. Donc, ln divisé par x. On va faire le choix. Ou bien divise 2 par x, ou ln 1 plus ln de x par x. Ça, ou ln Imaginez, on divise. Je vais. Donc, là, d'abord. Vous pouvez le faire. Tu résous une limite. Là, je vais le faire à titre d'essai. Là, je vais le faire à titre d'essai. بلي باش نجمو باش نقص عليك بابا بلي تصير مسيو توا دو نحطو على جنب معناها دو نعملو دو فوا وقلنا احنا ان بلوس ال دو اكس سور اكس تولي هيك تنجم تولي
1 sur x plus ln de x sur x comme les deux n'ont pas 0 0 fois 2 est égal à 0 c'est ولا هذا صحيح هذا هو اللي لازم يصير حبيت نفسر لك علاش هذه ما تجيش رحمه 2 sur x قداش تعطينا في البلس لانفيني 2 sur l'infini ça veut dire combien plus l'infini 2 sur l'infini une constante sur l'infini qui a le dénominateur infini 0 0 صحيح هذه 0 وشو كي هي على الانتيريور دو 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 دي بارانتيز 1 plus ln de x ln de x quelle est sa limite fait plus l'infini plus l'infini plus 1 je t'attire plus l'infini donc ce qui est entre parenthèses que le plus l'infini ou 2 sur x c'est égal à 0 0 fois l'infini ça s'appelle quoi voilà ça vaut combien 0 fois l'infini. C'est une forme indéterminée. 0 fois l'infini, c'est une forme. On a les formes indéterminées, moi, je marche à 4. D'accord ? Y compris 0 fois l'infini. Donc, est-ce qu'on divise en 2 par x ? La malé est imchi. Non. Donc, le terme par lequel je dois diviser, les termes qu'on doit diviser par x, 1 plus ln de x. Qui m'a dit, Yusuf, mais c'est une somme, 1 plus ln de x, le tout sur x, on peut faire ça. Donc, je dois aller à l'hénè. 1 sur x plus, hein, comme on a dit, ln de x sur x. Ah, et bah, 1 sur x, quelle est sa limite en plus l'infini moins 0, adad sur l'infini. Voilà, adad à l'infini, c'est égal à 0 constante sur l'infini, ça vaut 0. D'accord Voilà. Bah, ça va. Donc, c'est égal à 0. Ln de x sur x, c'est ça, c'est une limite usuelle. Hein, quoi, hein? Okay. Ça vaut combien? Ça vaut 0. 0. Voilà, donc l'année, on n'a plus de soucis. D'accord? Donc, tout ce qui est entre parenthèses, chatine. 0. Voilà, très très bien. Multiplié par 2, c'est normal. Ça donne quoi? 0. Ça, c'était la limite en plus l'infini de f de x. Juste une petite question. Ça signifie quoi, la limite en plus l'infini de f de x égale 0? Graphiquement, je n'ai l'impact. Tu trouves la limite. C'est quoi? Qu'est-ce qui est horizontal? Voilà. Quelle est son équation? Y égale 0. C'est une mouche de 0. C'est une asymptote horizontale à la courbe de f au voisinage de plus l'infini. Yani la courbe de f, je te courbe le droit y égale 0. Y égale 0, à la fait créer l'axe des x. Yani lorsque x tend vers l'infini, la courbe va s'approcher de la droite y égale 0. Le comportement de la courbe, ça ressemble au comportement de la droite. Ça s'approche, la différence binette, elle tend vers 0. D'accord ? Réveille donc la signification. Donc, on va l'écrire ici. Donc, la droite, y égale 0. On peut ne jouer pas à la S. Est une asymptote. Horizontal au voisinage de plus l'infini. D'accord? Passons à la deuxième limite, c'était la limite fine. C'était la limite 0 plus. Donc. Donc, la limite en 0 plus de la fonction f de x, c'est égal à quoi? C'est égal à la limite à la fikra moujdima comment dirais-je moujdima le اي ليميت باش تحسبها راهي سيت اون فورم انديتيرميني بارفوا راهو
sur 4 ou 5 limites, puis je t'ai fait, on t'a fait chier 1 ou 2 formes indéterminées. Commençons. Ben, la limite en 0 plus de ln de x. Quelle est la limite de ln de x en, plus en 0 plus ? Moins l'infini. Moins l'infini. Très, très bien. D'accord ? Ben, donc, 1 plus ln de x, ça donne quoi ? Moins l'infini. Ou le multiplié par 2, tu as moins l'infini. D'accord ? Ou l'outa x, ça tend vers 0 plus. D'accord ? Ben, moins l'infini sur 0 plus. Est-ce que c'est une forme indéterminée ? Ça, ce n'est pas une forme indéterminée. L'infini sur 0, c'est égal à l'infini. Ou la règle, c'est la règle des signes. Et les règles, c'est égal à quoi ? C'est négatif. Hein? Moins ou plus, donc ça donne moins. D'accord ? Donc là, ça, ce n'est pas une forme indéterminée. C'est une limite simple qu'on doit la calculer. Mais quelle est l'interprétation graphique de la limite en 0 plus de f de x est égal à moins l'infini ? La droite x est égale. Comment ? C'est une asymptote verticale. Quelle est son équation ? X est égal à 0. X est égal à. Voilà, x égale x égal 0. Là. Fameux voisinage. X égale 0, c'est lorsque x égale 0. Tu vois ? Donc, la droite x égale 0 est une asymptote verticale. Ben, verticale fait voisinage. C'est clair? Donc, ça, c'était pour la deuxième question. D'accord? Alors, au fur et à mesure, la correction, on va t'en parler comme ça. Vous prenez note. Juste, on une petite mise en page. Mais on passe. Ah, c'est dit. Il y a quelque chose que je suis un petit peu lent, il y a quelque chose qu'on est, montrer que pour tout x strictement positif, il y a l'ensemble de définition de la fonction x appartenant à 0 plus infini, on veut montrer que f prime de x est égal. D'accord? Ben, on veut prouver que la dérivée de f vaut moins 2 ln de x sur x au carré. D'accord? Mais, primo, f de x est égal à quoi? F de x, c'est égal à 2 facteur de 1 plus ln de x sur x. À coller? Oui. Ben, dis-moi, lorsqu'on veut calculer la dérivée d'une fonction, on se pose toujours la question, quelle est la forme de cette expression pour pouvoir calculer sa dérivée. C'est à primo, on peut dire que f est dérivable. Hein? F est dérivable sur son ensemble de définitions. Hein, sur l'ouvert 0 plus infini. On n'a pas de souci concernant la dérivabilité. OK? Mais quelle est la forme de l'expression f pour pouvoir calculer sa dérivée. F de x sur g de x. F de x sur g de x, ou la u sur v, si vous voulez. Hein? Je préfère Haken. Je préfère u sur v. Hein? Bon, je n'ai que juste avec une couleur différente. Eh bien, je n'ai que sur la copie interne, mais c'est juste. Je n'ai que sur la fête. Je vais faire un u sur v, le tout prime, si tu veux. Cordo, quelle est la dérivée de U sur V? F prime fois V. U prime fois V moins. U prime fois V moins V prime fois U, si tu veux, ou la U fois V prime, sur V au carré. V au carré. On va l'appliquer. Ben, on va l'appliquer, mais à condition. Je connais le U ou je connais le V. Ça, voilà. Le U, je connais. Oui. C'est égal. 2 facteur de 1 plus ln de x. Très bien. Ben, il est quel U, c'est égal à 2 plus ln de x. À quoi est égal U prime de x? Zéro. Allez. Mais là où la... Monsieur,
Oui, نسمع فيك. من الأول ننشره معناها تولي 2 plus 2 ln de x والديريفي نتاعها اللي هي 2 عدد 0 والln de x تولي 1 sur x معناها 2 sur x. 2 sur x به واضح. وانت علاش قلت 0 رحمة هكا ما؟ اي وي خاطر كونستانت 2. به استناني خدموا واضحين. وقت اللي تبدا عندك كونستانت فوا اون اكسبرسيون كيما لهنا 2 فاكتور دو 1 بلس ln دو اكس داكوردو لا كونستانت ملتيبليكاتيف اون لا ديريف جامي كيما مثلا 2x قداش ديريفي تاع x 1 2x ديريفي تاعها 2 3x ديريفي تاعها 3 5x 5 فوا 1 سي تو فو تو فوا لا كونستانت ملتيبليكاتيف اون لا ديريف با تو فوا تقعد alpha fois f, sa dérivée c'est alpha fois f prime. Donc là, 2, c'est une constante multiplicative. 2, facteur 2, la dérivée de ce qui est entre parenthèses. La dérivée de 1, qui vaut combien ? 0. Ou la dérivée de log de x ? 1 sur x. Donc je dois aller 2 fois 1 sur x, il y a 2 sur x, tu vois ? Ou là, qui m'a dit, Youssef, je développe. U de x soit les 2 plus 2 fois 2 ln de x, et on va avoir toujours le même résultat. 2 dérivé mt à 2 log de x dérivé mt à 2 sur x. C'est clair? Donc, U prime, ça vaut combien? 2 sur x. C'est bon? Passons à la deuxième fonction. V de x, c'est qui V de x? L'effet dénominateur, raconte-le. Pourquoi on a eu استناني بشوية هديك انسى الريزولتا on va appliquer cette formule هكا ولا تابعني بيه قلنا سا سي U sur V ال U هي 2 فاكتور دو 1 plus ln de X وال V X X هكا ولا ما نتفلسفوش نمشيو بالسياسة à quoi t'égal V prime ah ça vaut combien V prime 1 la dérivée de X est 1. Donc, là, j'applique ma formule. C'est clair? Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va calculer f' de x. Donc, f' de x égale. Allez, on va appliquer la formule qu'on a à la lettre. U' fois v, c'est-à-dire... 2x fois x moins 2 sur x 2 sur x fois 2 sur x ah voilà d'abord je me marque le CSA fois je coule fois x fois u prime fois v fois x ça c'est hein moins v prime si tu veux hein 1 b fois fois je coule fois 2 fois 1 plus ln de x fois u v prime fois u u اللي هي شكون هذه بكل ال u هي 1 plus لا هي 2 فاكتور دو 1 plus ln de x هاي ال u مش سميناها u هذه ولا لا ريتها ال الانسوبريونس هذه هذيك مش سميناها u من الاول يسميها U من بعد ما نبدلوا راينا وهذيك U تقعد U ما تبدلش. سي كلير؟ واضحة ولا لا؟ ديفيزي باغ ديفيزي باغ شنو؟ V أو كاري شكون هي V؟ X ولا لا؟ توالي توالي X أو كاري. تابعني مليح. لهنا اش عندنا 2 سور X فو 1 سور X. شنو نعملوا لهم هذوما؟ ها؟ 2 توالي 2 2 toi. Les deux, on les simplifie, ça fait. Pas qu'on les. Voilà. Et dès je la simplifie. Ou et dès de kif kif, on va la simplifier. Donc je te redonne. Tu redonnes 2. Moins. L'année, on peut développer 1 fois 2, ça fait 2. Moins 2 facteurs de 1 plus ln de x. Donc je développe. Tu vois les moins 2. Moins 2 ln de x. Ça reste sur x au carré. Sur x au carré.
Donc, en simplifiant 2 moins 2, il y a un peu de temps. Moins 2 ln de x. Moins 2 ln de x sur x au carré. Il y a des choses qui sont là. Alors, je vais l'énoncer. Voilà. Moins 2 ln de x sur x au carré. Faut mal à quel. Ça va? Voilà, donc on a, répondu, on a bien répondu à sa question. Mourna wadha, F prime le qui m'aime. Mais, c'est on passe à la question suivante. La question, les bad, il nous demande de faire quoi? En déduire les variations de la fonction F. Le tableau de variation d'une fonction, mnesh metka. Mnesh metka, le tableau de variation d'une fonction. F prime de X. انا غنحيت بالبيزه ديال نتاعنا نتاع قبيليك باهي وذكرني انت التابلو دو فارياسيون منيش متكون قداش فيه من اليمون سي تو قلنا ماشي في اف دي اف بريم دو اكس اف دي اكس سي دي التابلو دو فارياسيون فيه 3 لين D'accord. L'ligne il faut qu'on ait l'hne x. X. Elle est l'ensemble de définitions. Ça plus l'infini. Donc l'hne on représente l'ensemble de définitions. Le hoa 0 plus l'infini. Sous elle, Youssef, l'intervalle interne à 0 plus l'infini ouvert ou elle est fermée? Mané 0 n'hot ou de barre, je te ressens. Ah, madame ouvert donc, dima l'hne n'hot ou de barre, c'est 0. Ben. بعد الليمون الثاني في التابلو دو فارياسيون اللي هو لهنا اف دو اكس لا لا ديريفي اف بريم سيتادير اف بريم لهنا اون فا بلاسي لو سيغن دو لا فونكسيون اف بريم فهمنا لو سيغن دو لا فونكسيون اف بريم على فكره شكون هي اف بريم دو اكس هاي اف بريم دو اكس موان 2 ln دو اكس سور اكس او كاري نشوف لهنا خير يظهر لي اوضح هاي لنا فوي هذه اف بريم دو اكس ولا اون فا اناليزي لو سين دو اف بريم راه اللي يخزر من الاول واش يقول اف بريم كالي سون سين بوزيتيف بوزيتيف وانت ايش تقول رحمه مش نسمع فيك مليح رحمه عاود تقول نيجاتيف من نيجاتيف خاطر فما سيني موان هاكا ولا مادام فما سيني موان دونك اوتوماتيكمون لي نيجاتيف هاكا ولا وي واضح وانت يوسف علاش قلت بوزيتيف خاطر قال لي اكس اكبر من صفر اكس اكبر من صفر توا السيني نتاع اف بريم خاطر اكس اكبر من صفر شوف اكس اكبر من صفر فين وشوف اف بريم فين هذا واحد اثنين رحمة مش أي حاجة قدامها سينيموا راهي نيجاتيف صحيح الدوك يبدأ قدامها سينيموا ولي نيجاتيف أما الإكس يبدأ قدام سينيموا ينجم يكون بوزيتيف كما ينجم يكون نيجاتيف خاطر إكس تون انكونو ونكون اسم على جسمه انكونو مش معروف خي كي تبدأ الإكس موان 3 وتزيدها سينيموا واحد آخر مش تولي 3 مش تولي بوزيتيف وقتها دونك ردوا بالنا ما نحكموش بالمنظر On va analyser petit à petit. On a acheté le signe de chacun, Yusuf. Tu as F' ou tu as X? Tu as F'. Tu as F'. Tu as F'. Tu as F'. Mais c'est F' est moins 2 ln de X sur X carré ou l'allait? Oui, on a acheté le Foucan, il est moins 2. C'est un peu. C'est un peu. L'autre, tu as le dénominateur. X carré. X carré. Bon, l'avantage, c'est à X, tu peux être positif. وكي تردها او كاري تولي بوزيتيف بالقوي سي تي فو ها ما عندناش ان سوسي لوطا اكس كاري سي بوزيتيف هو بطبيعته الكاري بطبيعته بوزيتيف واحنا بطبيعتنا نخدموا بور اكس بوزيتيف دونك اسكو نا دو سوسي كونسيرنون الدينوميناتور نو لا دونك اكس كاري بوزيتيف سي اون افير كلاسيك حط على جنب لهنا نجيو لشكون للموان دو موان دو ال ان دو اكس اهي موان دو خلينا ساعه ال ان دو اكس انا جاي لها Moins 2, comment est-ce que c'est son signe Négatif.
هذيك ما فيها شكل نجيب ال ln دو اكس اشبهها ln دو اكس ln دو اكس بوزيتيف اشبهها ln كيفاش قلت رحمه ولا بلوم مريم نفاتي معنا نيجاتيف خاطر يعني مضروبه في الموان 2 اختانا من موان 2 انساها الموان 2 تو ما تحسبهاش اعطيني لوغ دو اكس وحدها بوزيتيف نرجعكم تو من الريزومي نتاع الكور داكوردو باش نذكركم شويه قلنا لوغ دو اكس سي اون فونكسيون كروسانت كي سانول في ال1 قلنا كي ناخذ عدد من 0 ل 1 entre 0 et 1 ln دو اكس appartient à l'intervalle moins l'infini 0 qui tabda ln de x appartient à moins l'infini 0 ça veut dire qu'elle est négative et lorsque x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini ln de x appartient à 0 plus l'infini donc elle est positive donc ln de x n'est pas toujours positif n'est pas toujours négatif cela dépend de l'intervalle sur lequel on travaille ln de x s'annule en 1 avant 1 entre 0 et 1 elle est négative ou بعد ال1 elle est positive فهمنا ولا Donc, log de x, marra plus, marra moins. Quand qu'il y a le 1, rahi négatif. Quand après le 1, rahi positif. C'est clair? Nous rejoignons ici dans les fonctions ternes. Et dérivé. Donc, on a ln de x. Après le 1, quel est son signe? Négatif. Négatif. Fois moins 2. Moins 2 fois ln de x sur x carré. On a x carré, c'est une affaire classée. C'est strictement positif. Moins 2 fois ln de x. Ln de x entre 0 et 1 est négatif. Multiplié par moins 2. Moins ou moins, il y a tout plus. Ça, va l'aller. Donc, f prime entre 0 et 1 est négatif. Bardel 1, log de x, quel est son signe? Positif. Fois moins 2. Négatif. Très très bien. Donc, le Hneb, je vais aller un signe moins. Bien évidemment, le signe de la dérivée affecte quoi? L'influence directe. Les variations de la fonction. Non pas le signe de la fonction. D'accord? C'est-à-dire, notre fonction, comment elle va être sur l'intervalle 0, 1? Décroissante ou décroissante? Croissante. Ou sur l'intervalle 1 plus l'infini, va être décroissante. Décroissante. Ben, donc, ligne telle, c'est un tableau, on a un tableau de variation en fille. Trois lignes essentielles, si tu veux. La première ligne réservée à l'ensemble de définition. Ligne telle, réservée le signe de la fonction dérivée. Ligne telle est réservée pour les variations et les limites. Déjà, on a calculé les limites de la fonction f. La limite fait 0, que tu as calculé à moins l'infini. Ça, c'est Oui. La limite fait le plus l'infini, le qu'il 0. Tu crois que c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il L'image. L'image de ce De 1. De 1. De 1. À la fin, le point d'abscisse 1, c'est un maximum pour la fonction f, admet un maximum au point d'abscisse 1. D'accord? On va calculer ce qu'il y a on va calculer f de 1. À quoi est égal f de 1? F de 1. 2. C'est égal 2. Facteur de 1 plus, plus ln de 1, lx est 1. D'accord, divisé par x, yani divisé par 1. Mais là, il faut ne ln de 1, ça vaut combien 0, 0. 0. Donc 2 plus 0, ça fait 2 plus 0. 1 plus 0, ça fait 1. 1 fois 2, ça fait 2. 2 sur 1. Ln de 1, c'est égal à 0. Mais f de 1, c'est égal à je compte 2. 2. Très, très bien. Donc, fonction, même moins l'infini, tout là le 2, on va t'arbitre le 0. D'accord? Donc, le courbe m'teha, si vous voulez, je vais la faire à main levée, hakeh, bitbalbiz. D'accord? Anna sa'a ou l'haja, une première asymptote, y égale 0, c'est une asymptote au voisinage de plus l'infini, il y a l'axe des x.
x égale 0, c'est une asymptote verticale, liée à l'axe des y. D'accord ? Imaginez, il y a 1. L'image de 1, il y a Kadesh. L'image de 1, il y a 2, voilà. L'image, il y a 2. De 1. Donc, ça, c'est le point de coordonnées 1, 2. Ah, le point, il y a donc, c'est le maximum de la fonction. Le maximum, la fonction, qu'est-ce qu'elle admet ? La dérivée, elle s'annule, hein ? Donc, automatiquement, oui. L'équivalent de la dérivée s'annule, une tangente horizontale. Oui, la dérivée s'annule, ou on a une tangente horizontale. Okay. C'est le point de coordonnées 1, 2. 1, 2. La dérivée s'annule en 1, yani la tangente à la courbe sur le point d'abscisse 1 est horizontale. La courbe interne, croissante, décroissante. Croissante, puis décroissante. Donc, on va essayer de construire la courbe. Elle va faire comme ça. Voilà, à peu près. À la fête, tu te souviens, je n'ai pas fait f de x égale 0, mais l'eau, le col. F de x égale 0, oui. Ou la question, f de x égale 0, elle est. Pas de chez le Kina. 0,37, 0,37. C'est la solution. De f de x égale 0. F de x égale 0, yani, waqtesh, une courbe de la fonction traverse l'axe des abscisses. Waqtesh, trousse l'axe des abscisses. Quand est-ce qu'elle intercepte l'axe des abscisses? Tu vois? L'abscisse, solution, qu'est-ce que c'est? 73, ou yani, la courbe, ou l'axe des x, il est capable le point d'abscisse 0,37. À peu près. C'est clair? Tu as compris? Oui. Voilà. Donc, il y a un traceur de courbe déjà. On va essayer rapidement de construire la courbe. Je crois que nous la fonction interne de facteur de 1 plus ln de x divisé par x. Et voilà. Voilà. Retour à courbe. Voilà, vous voyez l'ahdabark. Gérer tangente horizontale. Arrête. D'accord. Vous voyez Oui. Ah, le point d'intersection avec la courbe, c'est OED. 1 sur E. Tu vois Ah, que ça, c'est une asymptote horizontale voisinage de plus l'infini. Qui m'a le croquis, il y a un peu de l'infini. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, déjà, troisièmement, tracer la courbe, déjà, c'est fait. Je connais la quatrièmement. Dans une entreprise, on a modélisé par la fonction f. Elle est fonction f. Fonction f, les anamelouls. F de x, les 2 plus ln de x sur x. On a modélisé par f sur l'intervalle. 0,2 plus l'infini. 0,2, où est-ce que Youssef? Moi, j'ai dit 0,36. Voilà, 37. Yani, il y a qui. Neuf le courbe, neuf le fonction, mais bad 0,2. Mais il y a le bénéfice mensuel, éventuellement négatif, réalisé en vendant X milliers d'objets. Yani, le X, c'est le nombre d'objets qu'elle fabrique cette entreprise. Ça, ou l'est? أنا بالألف معنى كي نقول x يقال 1 نحكي على 1000 أوبجي كي نقول x يقال 2 2000 أوبجي x يقال 3 3000 أوبجي تو فوا والبنفيس كي تلقى f دو x يقال 5 مثلا جودي نيمبورت كو كي تلقى f دو x يقال 5 يعني لو بنفيس إلي أون ميلي دو دينار يعني 5000 دينار كم سملي فهمت مثلا جودي نيمبورت كو f دو 5 f دو 2 هي 3 يعني إذا كان l'entreprise elle fabrique 2000 objets son bénéfice باش يكون 5000 دينار فهمت شنو المقصود ها ولا نعاود نفسر الx il est exprimé en milliers d'objets والy ولا الf de x il est exprimé en milliers de dinars الفونكسيون تاعنا هي بيدها ديجا كنا étudié en utilisant les résultats précédents. Répondre aux questions suivantes. Petit a.
le nombre d'objets minimal de l'entreprise doit-elle vendre mensuellement pour que le bénéfice soit positif. نمشي انا نعمل طلع على الكورب واش لازم نمشي نعمل طلع على التابلو دو فارياسيون معناها شنو هي فونكسيون بوزيتيف وفونكسيون نيجاتيف. Une fonction est positive et dès qu'elle est courbe en fouk l'axe des x. Ou négative, ou qu'elle est tacht l'axe des x. C'est clair? Ahna, mouch'anna l'intersection fait le point heda. Voyez la main, la petite main, l'exercice. Ah ah. Alors, je vais dire, elle est à Kadesh, je vais dire. 0,37. باهي انا غلطت تقبيل قلت لكم 0.2 باهي 0.37 اذا كان ناخذ اكس اقل من 0.37 اف دو اكس وين موجوده تحت ولا فوق لاكس ديز اكس نيجاتيف يعني بوزيتيف ولا نيجاتيف نيجاتيف يعني اف دو اكس نيجاتيف يعني لو بينيفيس اللي نيجاتيف يعني خساره شوفوا وبعد الاكس يقال 0.37 بوزيتيف ولا positif. Mais là, pour avoir un bénéfice positif, il faut que l'entreprise fabrique plus que 0,37. Là, baba, 0,37, l'unité est chenille. Ah, milliers d'objets. Milliers, donc, pour avoir un bénéfice positif, il faut fabriquer plus que قداش احنا قلنا à partir من عدد 0,37 ولا لا hein OK 0,37 باش نكتبها بكولور باش ما تنساوهاش multiplié par x rater en milliers d'objets. Objets. Voilà. C'est-à-dire, Kadesh 370. Objets. Voilà. Et bien, pour espérer un bénéfice. Positif. Positif. Fahamna? Bah, c'est. Nemchiou la question li mbaad. Ech qal mbaad? Fahamta Youssef la hkaya wala khatr sirtni alayha? Oui, fahamta. La la la. Voilà. Fahamta ka wadh. Combien faut-il vendre d'objets pour réaliser un bénéfice maximal? Déjà antouma fi la gestion idhour li taqrawa. Wach ala qad ma tasna ala qad ma tirbah. Fahamta? ساعات تصنع تربح 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 من بعد يولي عندك شوت في الواحد الكورب نتاع البينيفيس نتاعك دونك فو توجور اوبتيميزي هكا ولا ها افوار ان ماكسيموم دو غا افيك ان مينيموم دو دوبجي فابريكي ماكسيميزي لي برودوي لي بينيفيس مينيميزي لي ديبونس هكا ولا هذا لو دوفيز نتاعكم دونك نرجعوا احنا كالعاده لهنا للفونكسيون نتاعنا اف دو اكس داكور نحكيو على une valeur maximale يعني نحكيو على sommet pour la courbe cette courbe là a un sommet fin le sommet oui pour quelle valeur de x في الان d'accord والبنفيس ولا الايماج نتاعو قداش 2 donc كيفاش نترجموها بلغه تاع لونتربريز نتاعنا تاع بلغه المات نقول le maximum de la fonction est atteint pour x égale 1 ou le maximum, il vaut 2. Hak, le blog de l'entreprise ou le bénéfice, ou le fait, tu as les jumelles. Je suis en cours de faire ça. Je suis en train de faire ça. Je suis en train de faire ça. Je suis en train de faire ça. Oui. Oui, Youssef. Je suis en train de faire ça. Je suis en train de faire ça. Je suis en train un bénéfice maximal. Un bénéfice maximal. Bon, ben, on va écrire B pour avoir un bénéfice maximal. Ah,
Oui. Il faut avoir. On a deux. On a un ou deux membres. Je dois voir l'alpha. Qu'est-ce que monsieur? Et بالنسبة للزوز يظهر لي خم عاود نرجع ثابت في 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 الانونسي للزوز بالنسبة للX c'est en milliers d'objets والبنفيس c'est en milliers de dinars. Donc que devient la formule pour avoir un bénéfice maximal? هذا ولا محاله ما عجبتنيش الدخله من الاول نتاع الجمله ما نسيتش نعاودو الفورمولا جوست اعطيني ليدي كيفاش اون فورمول اون فراز هكا سامبل و كي ريبون على كيسيون il bénéficier معناها مينيموم ليش فيها هكا شويه تكرار بينيفيس و بينيفيسيي ما لقيتش ما لقيتش ما لقيتش با تو سامبلومون انا نعطيو اون ريبونس هكا شايحه شويه le bénéfice est maximal voilà et atteint son maximum prix atteint son maximum pour combien d'objets bon x égale 1 voilà les pour 1000 objets fabriqués. Ça colle pour 1000 objets fabriqués. Tu as vu là équivaut et qui vaut ça vaut combien Regardez, je mène Dina. Au 2, voilà, les F de 1, donc 2000 dinars. Wahna Mertahi. Et voilà. C'est clair? Est-ce que vous faites l'exercice Voilà. C'est ça. Est-ce que vous avez bien compris l'exercice Chneyaki? Est-ce que vous avez des questions? Oui. Peu importe. Oui. Donc, est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, monsieur. En général, bon. ساعات يدون ديما في الاخر une question اللي عندها une relation avec شويه البرانش نتاعكم الناتور نتاعها تقولوا voilà donc monsieur صار في الباك تنجم تجينا كيما هكا monsieur دي question parfois يطلب منك une interprétation عندها علاقه شويه بالك لو بينيفيس يدور لي فما سوجي من لي سوجي نتاع الباك القدم je vais vérifier في هكا جور دو كيستيون من نوع هذا فهمت يعني il part d'une situation D'accord, il essaye de relier l'exercice à une chose concrète à partir d'une situation modèle. Surtout les exercices de statistique, même l'analyse ou la probabilité, on va la nature de la branche. Comme tout le monde, par exemple, l'économie, donc il y a un bénéfice ou des choses comme ça. Vous voyez? Inch'Allah, on se donnera rendez-vous, Inch'Allah, prochainement. D'accord? On va se fixer وقت وكل d'ici inchallah نرجعوا بكري ما نبطاوش وما الناس كل شادين صحيح ماك شي يتعدى شي يتعدى ما نعرفوش وقتاش مي inchallah ما تطولش الحكايه وكا en tous les cas à votre disposition si vous avez des questions à poser اي حكايه je suis là d'accord à travers le groupe تنحاولوا نكبروا في شويه في الجروب نتاعنا on va essayer حاولوا تعملوا الاكزرسيس الثاني اللي ما ديته لكم فيه ديجا ليكتور غرافيك و سي فيه خدمه اكثر وفيه على الاكس فونكسيون اكسبونونسييل كان تحبوا نعملوا اون فونكسيون اكسبونونسييل بالمسبق نعملوا ان تي رابيل دو كور ولا نعاودوا الكور اذا كان بالنسبه اللي ما قراش كونفينابلومون اون فا افونسي بتيت ابتي كل مره نزيدوا حوايج تحبوا نعملوا ان ريكاب القديم كو سوسوا التيوري دي غراف الماتريس ستاتيستيك بروبابيليتي كيف كيف ما يقلقنيش على كل مومون اي انت باش تبعث لنا ميساج تقول لنا سيونس جاي وقتها مسيو اي جوست نركح لومبلوا نتاعي ونقول لكم اي
واضح كوردو اوكي 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 سي حسام حابين نقول لك يعطيك الصحه وكفر خيرك لا من غير مزيان بالعكس لا 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 وبليزير بالعكس فما برشا راهم فما برشا راهم ما نجموش يدخلوا صادي فما تليفونات وما عندهمش ميفير وفما شكون قاع اشكاليه كيف انت مريم فهمت دونك برشا ما نجموش يدخلوا فهمت حتى هما اللي يستعملوا الابليكاسيون فهمت علاش فهمتك فهمتك اون تو لي كا فما حتى اشكال شوي لا تو ماما ربي يخليك ربي يخليك شباب ما تعديت مريقله سيونس واضحه لا ما سلام انا فرحان هما سلام اي مسيو مريقل اي مسيو مرحبا مرحبا واتو ماما داكوردو كيما قلت لك داكوردو مسيو ميرسي بوكو الي الي على البروشين ان شاء الله اوف اوف سامسيو سامسيو تمام تمام